c'est les masques qu'on aimerait avoir, les Portugaises vont cimer, hein. Parce qu'ils n'ont pas cils, les piafs. Avec eux, pas besoin de se choper une cuite pour avoir les doigts comme un bandit en canard, hein. Cool. Raoul, tu fais des exercices, tu t'étires bien. Après, tu vas te balader, tu verras. Ça détend. Mieux, je m'arrête de mâcher la mâche. Je vois de ces machins. Ce serait mieux. Ouais. Ah non, mais on a les internautes qu'on mérite, hein. Et là, franchement, je me pose des questions, hein. Parfois les vidéos de Luzzi, c'est psychédélique, on en prend plein les yeux. Si, je l'entends. Mais depuis la pandémie, ils ont mis un mur devant. Moi aussi. Et je suis trop petit pour voir l'écran où il y a Luzzi. Faudrait que je sois plus grand. C'est qui vient me faire la courte échelle maintenant? On mange tranquillement. Et puis, si ça vous dit, on se fera gentiment des câlins, des guilis. Mais le mur est bien trop grand pour pouvoir l'enjamber. Vous dites sur un écran, nous ne verrons plus jamais. Et Luzzi, moi je peux l'enjamber le mur. C'est fini. Faut pas pleurer comme ça. J'irai vous retrouver. Bonjour les amis. Ça va Luzzi? Oh oui. Mais je veux prendre le bus. Tu veux prendre le bus? Mais pourquoi? Pour aller au club à gogo. Au club à gogo? Oui. Pour aller danser le jack sur de la musique propre, sous les lumières des stroboscopes, danser le jack. Je suis timide, mais moi aussi je veux prendre le bus de 18h17 pour aller au club à gogo danser le jack avec Luzzi. Je me suis fait toute belle pour lui. Moi, je suis de la vieille école. Je préfère la valse et le tango. Mais j'ai du mal à me trouver des partenaires. Alors, je reste chez moi. Tranquille pépère. Je me marre en regardant des vidéos de Luzzi, une sucette à la bouche. Ben moi, je m'en fous du bus de 18h17. Rien n'a pété. J'en ai ras les cacahuètes des gonzesses. Je mange. Je fais des exercices. Et je joue au Lego. Si vous voulez comprendre ce que disent les oiseaux, il faut passer la bande-son au ralenti. Ici, cela donne... C'est vrai que, même en passant au ralenti, on comprend pas forcément. Faut bien faire attention. Alors croyez-moi, trouver une carotte crue et la croquer bien tranquillement, loin des cris crispants et sans rien craindre, riant devant un écran où il y a Luzzi sans se creuser le crâne, c'est le top. En plus, là, j'avais sacrément les crocs. Alors moi, quand je vois tous ces animaux en train de manger, ça me donne faim. Je vous fais des gros bisous.
bientôt.